Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trictrac TV sans doute extraordinaire, puisque j'ai avec moi l'un des deux co-auteurs des Loups-Garous de Tiercelieu, Monsieur Hervé Marly, dit le bien coiffé. Comment ça va, Hervé? Eh bien, ça va très bien, Monsieur Fall, dit le rasé de près. C'est ça. Voilà. Bienvenue dans cette Trictrac TV où nous allons évoquer la possibilité potentielle d'une extension des Loups-Garous de Tiercelieu qui répondrait, m'a-t-on dit, au nom de les personnages. C'est bien ça? Les personnages, exactement, qu'il a parfaitement bien prononcé. À propos de personnages, une question que tout le monde se pose, c'est comment as-tu rencontré ce personnage qui est Monsieur Philippe Despalières, avec qui vous avez fait ce jeu? Je suis entièrement d'accord. C'est un personnage. Merci Hervé pour ces explications. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est alors, comment vous êtes rencontré? Ça fait longtemps que tu le connais? Comment vous faites? Comment êtes-vous arrivé là? Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que c'est moi qui l'ai rencontré en premier. Ça, c'est important de le savoir. Souvent, il se vante, oui. il se vante du fait de t'avoir rencontré en premier, lui. Non, non, je l'ai rencontré en premier et, clin d'œil, je l'ai également rencontré en deuxième. Incroyable. Mais je sais que c'est grâce à Bruno Feduti que j'ai rencontré Hervé Marly. Je ne me rappelle pas la première fois que je l'ai vu, ça, c'est sûr. Je me rappelle que c'était un garçon charmant, très prévenant. Oui, bien élevé. Oui, voire même déférent. On s'est rencontrés en montant l'escalier pour aller chez Bruno Feduti, qui organisait des soirées jeux de temps en temps dans son domicile. Et ça, c'est notre première rencontre. En fait, c'était les ludopathiques, je crois, les premières fois où je l'ai vu. Chez Bruno Feduti, c'était le week-end traditionnel de Bruno Feduti, qui date d'une vingtaine d'années. D'accord. Dans l'escalier, vous saviez que vous alliez au même endroit ou... Là, globalement, en général, tout le monde se dirigeait plus ou moins dans cet appartement-là. Hein. D'accord, il habite On n'avait pas rendez-vous ailleurs en plus. Hein. Donc, c'était, personne dans l'escalier à part ça. Non, une coïncidence incroyable. On allait au même endroit, on ne se connaissait pas et on s'est reconnus quand même. Veut dire qu'à l'époque, j'étais auteur de jeu déjà et lui, il n'était pas encore auteur de jeu. Ah. Donc, il était très gentil avec moi. Ah. Et puis, très vite, on a sympathisé. J'avais entendu parler de lui quand même. Ah ouais? Ben oui, parce que c'est quand même un auteur connu, déjà à cette époque-là. Ah ok, ok. Et oui, et moi j'étais un inconnu. D'accord, et donc tu avais vu des photos de lui? Voilà, et j'ai dit, oh mais ça doit être Philippe Despalières. Puis après, on a lié connaissance et on s'est re-rencontrés encore après plusieurs fois. Et puis voilà, et on s'est revus plein de fois. Et puis après, il y a eu des soirées poker, parce que c'était un amateur de poker avec Bruno. Et notamment au tout début, quand j'étais pauvre et jeune et bon. Ouais. Et entre autres, à des week-ends qu'il organisait. Des week-ends qu'il organisait à la Fontaine aux Loups, pas loin de... De Tiercelieu. Ah, et comment est venue l'idée du jeu, alors? Ce jeune homme m'avait montré un peu le squelette du jeu, quoi, qu'il avait entendu oui dire par Bruno. Il m'a organisé une partie pendant mon week-end jeu à moi, qui s'appelait le week-end de Tiercelieu, puisqu'il se passait à Tiercelieu, dans un endroit, d'ailleurs, je vous le donne en mille, qui s'appelle la Fontaine aux Loups. À quel moment on se dit, tiens, je vais bosser avec? J'avais amené un proto de ce jeu-là que m'avait décrit Bruno Feduti justement à l'occasion d'une de ses parties dans son domicile. Mais là, il n'y avait pas Philippe cette fois-ci. Et j'avais amené un proto qu'on a fait jouer au week-end. D'accord. De la Fontaine de ça. Ouais, de ça, ouais. Qui n'était pas définitif? Ah, pas du tout. Ah, rien du tout. Il y avait juste le personnage, c'était un jeu de mafia, quoi. Enfin, d'accord. Bon, personnage équivalent des loups-garous, la voyante et les villageois, quoi. Et un soir, il nous montre avec un jeu de cartes, un petit jeu qui était ce jeu mafia, etc. J'étais un peu scotché et comme avec certains jeux, à la fois scotché, à la fois énervé que ce jeu... se termine en eau de boudin, etc. Et donc, ça m'est resté dans un trou de la tête. Et puis, on est reparti après chacun, notre côté, en fait. On n'était pas du tout dans l'idée de faire ce jeu-là. Mais on n'était pas tellement passionnés que moi, à l'époque, j'étais donc dans un pub. J'ai fait mon jeu perso, en fait. Mm-hmm. Et on s'est retrouvés un autre week-end où vous on a amené chacun nos jeux perso. C'est ça, du truc. Oui. Tu avais rajouté des persos, lui aussi. Et puis, je me dis, non, et puis j'avais des personnages dans la tête et tout ça. Je lui dis non, il faut que je téléphone à Hervé, il faut qu'on le fasse. Je vais lui proposer, puisque c'est lui qui me l'a montré. Donc je vais voir Hervé. Je lui dis voilà, là, moi, sur les loups-garous, j'ai une idée, machin, etc. Il me dit ah, bah tiens, moi aussi. Je fais incroyable. Justement, en faisant l'ensemble, il me dit ouais, mais c'est quand même Bruno qui m'a montré le truc. Et je lui dis proposons Bruno. Bruno fait non, moi, l'édition, c'est pas mon truc. Et donc Bruno s'est retiré. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et voilà, mais avant de travailler ensemble, on a joué ensemble beaucoup quand même. Enfin, on s'appréciait avant de travailler ensemble.
Et là, vous vous êtes dit en vous regardant dans les yeux, mais si on le faisait ensemble, c'est ça? Exactement. C'est dingue. Avec Bruno, avec Bruno. Mais Bruno n'était pas chaud pour le faire. Donc, d'accord. Il nous a un petit peu dit, bah, allez-y, débrouillez-vous. Faites-le. Et donc, vous l'avez fait. Et bah, voilà. Ça donne ça. Ouais. Et maintenant, donc, une extension. Et dans cette extension, il y a un petit personnage qui s'appelle le renard. C'est ça? Le renard. Les renards. Les renards. Alors, j'aimerais dire, comment fonctionnent les renards? Les renards, si tu veux, c'est, il a le nez pointu. Hein, donc, c'est un peu comme d'autres personnages. Il sait détecter les loups-garous. C'est-à-dire? Bah, imagine deux secondes. Voilà, c'est un personnage qui est appelé la nuit. Mm-hmm. T'es en plein... J'imagine, c'est ça le truc qu'il faut... On appelle le renard la nuit. Ouais. Si le renard le désire, mm-hmm. il peut demander à espionner un des joueurs. Parmi, autour de la table. Le meneur dit, j'appelle le renard. Et le renard, il ouvre et puis il fait. Voilà, exactement. Si le renard détecte un loup-garou, mm-hmm. c'est super. Déjà, il en a détecté un. Et ça veut dire qu'il pourra continuer la nuit suivante. C'est-à-dire que tant qu'il désigne un personnage et un joueur et que ce joueur est loup-garou, il peut continuer à essayer de détecter les autres. Donc il va déclencher certainement son pouvoir quand il aura eu quelques indices. Il peut pas se taper comme la voyante tous les tours. Exactement. Alors, okay. Le grand dilemme du renard, c'est que, oui, effectivement, il vaut mieux qu'il attende un peu pour mm-hmm. avoir des idées à peu près claires sur qui est espionné ou qui n'est pas espionné. Mais plus il attend, plus il prend des risques d'être aussi dévoré et de ne pas du tout utiliser sa capacité. Et n'oublie pas une chose importante. Oui. S'il désigne quelqu'un et que cette personne-là n'est pas loup-garou, il a quand même le renseignement que c'est une personne qui n'est pas loup-garou. Oui, voilà. Évidemment. Donc il a quand même un renseignement. Voilà un personnage tout en finesse et en subtilité. Ce personnage qui répond du nom de le renard. El Renardo. El Renardo. Zorro. Merci Hervé pour ces petites anecdotes et l'explication de cette petite carte. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok. Non, sans avoir fait un petit saut. Tu es prêt? Oui. 1, 2, 3. On est toujours décalé. Putain, c'est un fou. Oui, mais tu vas trop vite. Ah oui. 1, 2, 3. Oui. Ah ouais. Attends, regarde, tu tapes sur la tête, t'es prêt? Ah non.